Dans la matinée du 11 septembre 2001, 19 hommes armés de cutters, dirigés par un homme sous dialyse depuis une caverne forteresse de l'autre côté du monde en utilisant un téléphone satellite et un PC portable, ont réalisé la pénétration la plus sophistiquée de l'espace aérien le plus protégé au monde. S'emparant des passagers et des pilotes, tous d'anciens pilotes de chasse, de 4 vols commerciaux qu'ils détournèrent de leur route pendant plus d'une heure, sans jamais avoir été inquiétés par un seul chasseur d'interception. Ces 19 pirates, religieux fondamentalistes dévots qui aimaient boire de l'alcool, sniffer de la cocaïne et vivaient avec des stripteaseuses, ont réussi à abattre 3 immeubles à l'aide de 2 avions à New York. Cependant qu'à Washington, un homme incapable de piloter un monomoteur Cessna a été capable avec un 757 de faire une boucle en descente de 2400 mètres à 270 degrés pour arriver en parfait rasmote et percuter le Pentagone au niveau du bureau des analystes du budget où des employés du ministère enquêtaient sur le mystère des 2300 milliards de dollars que Donald Rumsfeld, secrétaire d'État, avait annoncé manquant des coffres du Pentagone dans une conférence de presse tenue le jour précédent, le 10 septembre 2001. Par chance, les médias ont su qu'il avait fait en quelques minutes. Osama bin Laden. Et les grands pontes en quelques heures. Osama bin Laden. Les officiels dans la journée. Terrorists who committed these acts and those who harbor them. Et les preuves sont littéralement tombées dans la poche du FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Mais pour une raison ou une autre, des conspirationnistes fous ont demandé une enquête sur la plus grosse attaque perpétrée sur le sol américain de toute l'histoire. Cette enquête a été retardée, sous-financée, sabotée, en conflit d'intérêts et menée secrètement du début à la fin. Elle était basée sur des témoignages obtenus sous la torture et dont on a détruit les enregistrements. Elle n'a pas mentionné l'existence du Building 7, Double Danger, Ptech, Siebel & Mons, Ben Laden et la CIA, et les manœuvres militaires simulant des avions détournés et jetés sur des immeubles menés au moment précis où c'était en train de se produire. Elle a été trompée par le Pentagone, la CIA, l'administration Bush. Et à propos de Bush et Cheney, eh bien, personne ne sait ce qu'ils ont dit car leur témoignage était secret, pas enregistré, pas sous serment et à huis clos. Ce n'était pas important de chercher qui a financé les attaques, car cette question a peu de signification pratique. Cependant, la commission d'enquête du 11 septembre a brillamment répondu à toutes les questions du public, excepté la plupart de celles posées par les familles des victimes, et a pu pointer les fautes des personnes responsables, bien qu'aucune n'ait perdu son boulot, déterminant que ces attaques étaient dues à... failure of imagination. Parce que... nobody in our government at least, and I don't think the prior government that could envision flying airplanes in the buildings. Excepté le Pentagone, la FIMA, le NORAD et le NERO. La DIA a détruit 2,5 teraoctets de données sur Rebel Danger, mais c'est ok car ce n'était probablement pas important. La SEC a détruit les données sur l'enquête concernant les délits d'initiés avant les attaques. Mais c'est ok car la destruction des données relatives à la plus grosse enquête de toute l'histoire de la SEC fait partie de ses routines d'archivage. Le NIST a classé secret son modèle mathématique utilisé pour l'effondrement du building numéro 7. Mais c'est ok car le révélé aurait compromis la sécurité publique. Le FBI a argué que tout ce qui concerne leur enquête sur le 11 septembre doit être tenu secret. Mais c'est normal, car le FBI n'a probablement rien à cacher. Cet homme n'a jamais existé, et rien qu'il ait dit ne mérite votre attention. Si vous dites le contraire, vous êtes un conspirationniste paranoïde qui mérite d'être mis au banc de l'humanité. Comme lui, 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 et elle, 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 et lui. Ben Laden a vécu dans une grotte forteresse des montagnes d'Afghanistan, mais il a pu s'échapper. Puis il s'est caché à Tora Bora, mais il a pu s'échapper. Puis il a vécu 10 années à Abbottabad, mettant en échec le réseau d'espionnage le plus efficace et le plus sophistiqué du monde et de l'histoire, tout en publiant vidéo sur vidéo en totale impunité, rajeunissant au gré des vidéos réalisées, avant d'être capturé par un vaillant commando de Navy SEAL dans une opération non filmée, durant laquelle il n'a pas résisté ou peut-être utilisé sa femme comme bouclier humain, et pendant laquelle ces as des forces spéciales ont paniqué et tué cet homme désarmé, censé être la meilleure source d'information de la planète concernant le terrorisme. Puis ils l'ont jeté dans l'océan avant d'en parler à quiconque. Puis 2 douzaines de membres de ce commando ont péri dans un crash d'hélicoptère en Afghanistan. Adam Shaw. I'm American. Nobody's perfect. I started off life as a journalist. I worked for UPI in Africa, in Paris,
in Rome. Then I went to the Washington Post during the glorious years of the Washington Post, when we got rid of Mr. Nixon. And then there wasn't much to do there, so I was a freelance journalist. I wrote some screenplays. I wrote a book called Sound of Impact about the crash of TWA Flight 514 outside of Washington. So I know a little bit about crashes. And then I flew for a living. I'm a flight instructor. I'm an aerobatic air school pilot. I've got almost 5,000 hours of flight time. Most of it's upside down. Doing that for the last 22 years, teaching people how to fly upside down. So I know a little bit about airplanes. And when 9/11 happened, I lost my oldest friend in the whole world in the second airplane. And like a lot of people, I believed the official version for a while. And then I saw the footage of the towers coming down. And I saw them falling into their own footprint. And I said, something's wrong here. Very, very wrong. And then when I heard that Building 7 was pulled, I was convinced something was up. What worries me a little bit about the official version of 9/11 is that for people who are really piss poor student pilots to be able to get in the cockpit of big jets and fly them as accurately as they were flown at close to VNE, at close to max speed, and be able to hit the trade towers. Les pirates de l'air s'étaient entraînés sur de petits avions monomoteurs, mais n'avaient jamais piloté un quelconque jet. Sans parler des grands avions de ligne, qui constituent une spécialité à part. Pourtant, ils ont accompli à grande vitesse des virages, des descentes vertigineuses et des manœuvres extrêmes qui ont laissé totalement perplexes les contrôleurs aériens. Écoutons les commentaires de pilotes professionnels à propos de ces manœuvres. Commandant Ted Muga, ex-pilote civil et militaire. Je n'arrive pas à croire qu'un amateur puisse ne serait-ce que se rapprocher de telles manœuvres. Commandant Ralph Kolstad, ex-pilote militaire et ancien instructeur de combat aérien. Au Pentagone, le pilote du Boeing 757 a réalisé une manœuvre très difficile. J'ai moi-même 6000 heures de vol sur Boeing 757 et 767 et je n'aurais pas pu faire suivre à l'avion la trajectoire qui a été décrite. Capitaine Daniel Davis, ancien officier de la défense aérienne et pilote privé. Survoler la colline et l'autoroute et aller percuter le Pentagone entre la hauteur du mur et le sol, c'est pratiquement impossible, même pour un petit motomoteur lent, et il est impossible de faire ça avec un 757. And even more unbelievable, the Pentagon is just not credible. The Pentagon airplane is the most troubling because coming in at the speed in which that supposed airplane came in ground effect, to not skip off the ground in ground effect is almost impossible. To be able to fly. I flew the two actual aircraft which were involved in 9/11, the flight number 175 and flight 93, the 757 that allegedly went down at Shanksville, and flight 175 is the aircraft that's alleged to have hit the South Tower. I don't believe it's possible for, like I said, for a terrorist, a so-called terrorist, to train on a 172 and then jump in the cockpit of a 757, 767 glass cockpit and vertical navigate the aircraft, lateral navigate the aircraft, and fly the airplane at speeds exceeding its design limit speed by well over 100 knots, make high-speed, high-bank turns, exceeding, pulling probably 5, 6, 7 Gs, and the aircraft would literally fall out of the sky. I couldn't do it, and I'm absolutely positive they couldn't do it. Now
that was this cushion of air that doesn't allow a jet to land when they're traveling at 20 feet at 400 knots. It's called ground effect, and it's most pronounced in aircraft with what's called a low wing loading. A low wing loading means a large airplane with a big wing. Highly wing-loaded planes, for instance, fighter aircraft, these, of course, can approach the ground at very, very high speeds because they're designed to do that. But in Boeing 757, you can't do... I challenge any pilot anywhere. Give him a Boeing 757, tell him to do 400 knots 20 feet above the ground for half a mile. Can't do. It's aerodynamically impossible. 24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés Mascal, simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment. Charles Burlingame, ancien pilote de F-4 à la Navy, participe à l'exercice avant de quitter l'armée pour aller travailler chez American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'écrase soi-disant contre le Pentagone. I'd read enough about false flag operations to say to myself, who benefits from all of this? And once you ask that question, and once you find the answers, which are pretty basic, who benefited from 9/11, you have some terrifying answers. And that's why I don't believe the official story. Si vous avez un doute sur cette histoire, vous êtes une chure de rats, un paranoïaque, un cinglé, vous détestez les chiens et les enfants et vous serez conspué par le monde entier. Si vous aimez votre pays et la liberté, la joie, les arcs-en-ciel, le rock, les chiots, les tartes aux pommes et votre grand-mère, alors vous n'émettrez jamais le moindre doute sur aucune des parties de cette histoire, à personne, jamais.